Et bonjour à tous, tout le monde, on se retrouve pour ce 10e épisode de Toy Story 2 sur la chaîne. C'est déjà presque la fin, les gars. Presque la fin, je pense qu'on était plus ou moins vers le dernier niveau du jeu. Alors ici, donc voilà, j'ai chopé les 4 poussins qu'on avait déjà chopé dans les épisodes précédents. Et là, donc il nous manque le dernier, je pense qu'il est ici. Parce qu'on avait cherché un peu partout. Vas-y, mon pote. Vas-y. Ouais, parce qu'on avait cherché un peu partout. On l'avait pas trouvé et j'en ai déduit qu'il était ici. Parce que voilà, on n'arrivait pas à monter sans les putains de bottes de chiasse. Mais là. Ça m'a avancé à rien. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Faut regarder ce qu'il faut qu'on fasse là. Tac. On va essayer d'avancer ça au plus vite possible. Tac. Vas-y, 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 vas-y. C'est bon. Ok, ouais, donc c'est comme ça. Très bien. Ah non, mec, putain, fait chier. Mais je suis con aussi des fois. Hein. Mec, qui veut se précipiter. Ok, Rex, qu'est-ce qu'il fout là? Seul Dieu sait. Une petite pile ici. Ouais, bon, en fait, j'ai pas le choix. Hein. Je dois refaire le truc. Ouais, il est là le poussin. Je l'entends d'ici. Là, c'était pas le. C'était pas le boss là. Le boss de fin. Je pense que, ouais. Bon, on va refaire le truc, hein, putain. C'est parti. Vas-y, vas-y, buzz, vas-y, buzz, vas-y, buzz. Tac. Ça va, en fait, t'as largement le temps, en vrai. Hein. Bim. Bim. C'est bon. Ah, il est là, je pense. Putain, je me suis dit, je le vois pas, il est où? Ok, très bien. Donc là, la madre. Où est-ce qu'elle est la madre? La madre, je pense qu'elle était par là. Hein. Elle était par où? C'est pas un truc par ici. Je pense que c'était par là. Hein. Je vais faire un petit chemin ici. Ouais, je dis ça parce que je sais, là tantôt je l'ai vu. Et je pense que c'était par là. Faut juste faire tout un chemin. Tac. Tac. Hop. Ça va, ça va. On va y arriver, les gars. Hein. Le 100%. J'y crois. Hein. J'y crois dur comme fer. De toute façon, je l'ai déjà fait une fois. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le refaire en vidéo. Par contre. Oh merde! Je l'ai déjà utilisé ce putain de skate. Donc là, je suis obligé de me taper. Voilà, elle est là. Là, on a un poulet. Très bien. Bim. Et on quitte le niveau. Et là, on a les 5 jetons. Dans le plus grand des calmes. Maintenant il nous faut les 4 dans le dernier niveau, ou l'avant-dernier niveau, je pense que c'est le dernier, mais je sais pas si... Ben voilà, on va faire le 100% les mecs, on a combien de trucs Pizza Planet là? Sauvegardons, bien sûr, on sauvegarde. Donc les gars, en fait, l'objectif, ce sera bientôt de commencer à faire des lives. Comme par exemple un jeu comme ça, je pourrais très bien le faire en live. C'est beaucoup plus stylé, je pense, que de le faire en vidéo. En live, tu fais quoi? Tu fais 3-4 lives de 2 heures et t'as fini. T'as fini le jeu, tu vois. T'as fini le jeu. Donc là, j'ai tout ce qu'il me faut à part l'ordi, le PC. J'ai envie de m'acheter un PC gamer, donc, mais c'est 1000 balles. Hein. Affrontement final. Ah ouais, donc c'est pas le dernier. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Et ça, c'est le dernier. Donc il y a bien 15 niveaux. On avait déjà chopé les pièces, hein, c'était ça. Donc il nous faut la course, le boss,
Les valises et le truc à la part. Donc ouais, donc j'ai acheté un écran, j'ai tout acheté. Clavier, souris, nouveau bureau, tout, 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 tout. Manque juste le PC, c'est le plus cher, hein, bien entendu. Je le laisse en dernier parce que je sens que ça va être la galère totale pour l'acheter. Mais bon, il faut, hein. Et après, une fois que je l'aurai acheté, bon, j'essaierai de télécharger tous les programmes qu'il me faut dessus pour faire des lives, etc. Et ensuite, j'essaierai de voir si j'arrive à faire des lives. Hein. Parce que je sais que c'est pas si facile que ça. Il faut tout un tas de logiciels, il faut que ton PC tienne. Mais normalement, un PC de 1000 balles, je pense qu'avec un PC de 1000 balles, tu peux faire des lives. Hein. C'est pas possible. Il faut que je vois aussi ma connexion, si elle est bonne. Alors, ce que je vous propose ici, c'est qu'on fasse truc par truc. On va faire zone 1. On va faire la zone 1, puis la 2, etc., etc., etc. Parce que j'ai aucune valise. Je sais pas où sont les valises ici. Donc, putain, mais je me... Chier. Alors, on va pas perdre notre temps à tuer des ennemis. Hein. On s'en bat un peu les couilles. Ici, c'est la zone 2. Il n'y a rien de wow ici. On part vers la zone 3. On va bien trouver quelque chose à un moment donné. Hein. Donc ouais, donc voilà, donc le but c'est de commencer à faire des lives cette année, comme je vous l'avais dit, c'était mon objectif sur YouTube cette année, c'était commencer à faire des lives, faire des jeux en live, faire des let's play en live, qui est des PV ici, faire des let's play en live, pourquoi pas, faire plein de trucs en live en vrai, tu vois. Et avec avec ma Xbox et avec l'ordi que j'ai, enfin... Pas avec l'Xbox, mais avec l'ordi que j'ai, c'est impossible que je fasse des lives. Impossible. C'est un ordi que j'avais acheté à 400 balles à l'époque. C'est un ordi portable. Il est pas mal parce que ça fait déjà 3 ans que je l'ai. Et c'est avec lui que je fais mes montages. C'est avec lui que je tourne cette vidéo là maintenant. Donc ça fait 3 ans que j'ai pour un ordi à 400 balles qui n'a rien de waouh. N'a rien de... C'est pas un ordi gamer en fait. C'est un ordi normal, tu vois. Oh, une valise. C'est ça les valises. Ouais, c'est ça. Okay, donc j'en ai trouvé une ici. Donc pour un ordi à 400 balles, qui normalement n'est même pas un ordi pour gamer ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas mal. Hein. Toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne jusqu'à maintenant, c'est avec cet ordi que je l'ai fait. Hein. Que ce soit le tournage ou le montage, c'est cet ordi-là qui me sauve la vie pour l'instant. Mais bon, là, je sens qu'il commence à lâcher, il commence à déconner pas mal, etc. C'est pour ça que j'ai aussi envie d'acheter un nouveau. Et quitte à acheter à nouveau, je vais pas me racheter un ordi de 400 balles. Hein. Autant acheter directement l'ordi puissance 1000 qui me permettra de faire mes lives, de faire mes montages, de tourner mes trucs. Et en plus, je mettrai pas l'autre ordi de côté non plus. Hein. Je le garderai. Je le garderai, on sait jamais si j'en ai besoin pour faire un montage en plus ou un truc comme ça. Mais là, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'avec l'ordi que j'ai là. Des lives, c'est impossible, il faut oublier. Putain, j'ai qu'une valise. Ah, on pourrait aller, après aller faire la course qui est là-bas aussi. Il y a une valise là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on monte sur l'aile de l'avion, hein, mais je sais pas comment. Ok, on a la zone 7. Je pense que c'est l'avion la base de tout. Je pense que c'est l'avion la base de tout. Et c'est avec l'avion que tu montes sur les autres trucs. Et que de là tu pars de truc en truc. Parce que là franchement je vois rien de plus. Ok, j'ai chopé une valise là par terre, mais rien de plus. S'il y a rien. Non, il y a rien. Faut vraiment que je trouve un moyen de monter sur l'avion parce que là je reviens là où il y a Rex, non? Ouais, c'est ici. Putain, je vois jamais ces trucs. Bon, on va aller faire la course de zigzag qui est là-bas. Ce sera déjà un truc de fait. Ensuite, faut qu'on trouve un moyen de monter sur cet avion. Hein. Hop,
Salut Bess, tu arrivas au bout de ce chemin sans sauter ou toucher la gelée gluante verte. Je te... Sérieux? Merde, ça va être compliqué, hein. Merde, putain, ce buzz l'éclair dissident. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs chemins, un truc comme ça. Donc c'est vraiment le truc à l'ancienne, hein. Juste tu cours. Tu essaies de pas toucher les trucs. J'espère que la lumière se compte pas, hein, parce que là je viens de la toucher. Aïe aïe aïe, je suis en stress quand même. Ça va, je pense qu'on a le temps, faut pas stresser, faut pas essayer d'aller vite. Non, Altaboum. J'étais en plus, non, j'étais pas vraiment à la fin, mais j'étais bien parti, j'étais bien parti. Bon, on refait, hein, bien sûr. En plus là, je suis en train de crever. Donc là, je peux vraiment pas toucher en vrai. Allez, buzzou. Allez, hop. J'espère qu'ils m'ont pas mis genre le temps tout juste pour y arriver. Aïe aïe aïe. Doucement. 25 secondes. Putain, la chance stresse les mecs. J'ai mal aux doigts. Putain, mais ce chemin interminable! On y est, on y est. Yes. Parfait. Ça c'est fait. Starkman. Il ne manque plus que 3 jetons. Les valises, le boss et le truc aléatoire. Là il faut vraiment que je trouve un moyen de monter sur ce putain d'avion de chiasse. Hein. Faut que je suive l'aile. Attendez parce que... Merde, je suis mort. Ok, c'est pas bien grave. J'ai combien de vies? 4 vies. C'est compliqué ça, c'est pas ici qu'il faut monter. Mais ouais. Ah ouais, donc d'ici, je peux monter sur l'avion. Tu vois. Vrai ou faux? Ouais, cool, très bien. Très bien, très bien. En vrai là, ça va me mener à rien. Peut-être que je peux aller de l'autre côté. Merde. Peut-être des conneries ce que je dis, hein. Ah, petite valise. Cool. Ça m'en fait 2. Donc je pense qu'ici, maintenant avec cette aile là, je peux monter dans les trucs. Tu vois. Maintenant il faut que je choisisse le bon endroit où monter, tu vois. Genre là je sais qu'il y a une valise, donc on va aller là. Tac, premièrement. Ça nous en fait 3. Chope cette vie, nom de Dieu. Putain. Bon, c'est pas mal. Au moins, on a chopé 2 valises en plus, on a trouvé le moyen de monter sur l'avion. Et maintenant on a juste à revenir là-bas. Hein. Mais bon, on va devoir faire, je pense, pas mal d'aller-retour. Hein. On va faire pas mal d'aller-retour. Pour monter à chaque fois sur les différents trucs. Salut, beige. Tac, on va grimper ici. Allez, hop. Je pense que là, c'est bon. Ouais. Par contre, chaque fois de traverser de l'autre côté, tout ça, putain. Avec l'hélice qui tourne, qui m'empêche de faire ce que je veux. Pouah, putain, j'ai peur de tomber en bas. Allez, hop, ça peut le faire. Donc alors, là, on l'a fait. Bon, il y a une vie, mais voilà. On va donner la priorité aux autres trucs. Zone 7, est-ce que on peut monter là-dessus?
Yes. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est qui lui? C'est le boss. Putain, je suis direct sur le boss, les mecs. Tant mieux, au moins on fait déjà le boss. Ah, bas le boss, maréchal Ferrand, pour obtenir un jeton pizza-planète. Ok, maréchal Ferrand. Putain, me dis pas que. Putain, qu'est-ce qu'ils ont ces boss à ramasser qu'avec des coups de, des coups d'aile dans la gueule. Merde. Ils lancent des secousses par terre, mais. Putain, ça va être chaud d'esquiver ça. Hein. Bon, heureusement, c'est un boss tout con. Tac. Tac. Ok. Dernier boss du jeu, quand même. Hein. Enfin, non, pas dernier, l'avant-dernier, je pense. Allez, la troisième, le troisième jeton. Tac. Rien à foutre, mode ramassé, franchement. Tac, et voilà. Il n'y a pas de temps à perdre, comme dirait notre ami Buzz. Hein. Buzzou. Allez, on chope. On continue à jouer. Bim, on chope. Tant qu'à toi, maréchal Ferrand. Genre d'ici, est-ce que je sais pas choper la vie? Ouais, bon, non. 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 Ok, bon, ça c'est fait. Alors, le boss c'est fait, donc il nous reste plus que le truc aléatoire. Et deux valises à trouver. Et après, on a fini, hein. On a fini le jeu, il nous restera un niveau et c'est. Et c'est bouclé. Et la boucle sera bouclée. Donc là, ouais, là, les gars, je suis en confinement. À cause du coronavirus. À cause du coronavirus. On est tous en confinement, donc je profite pour vraiment rattraper mon retard sur ma chaîne. Arranger tout le bourbier qu'il y a, parce que. Il y a plein de trucs en cours. Genre Kingdom Hearts qui est là, qui traîne. Mafia 3, l'éternel Mafia 3, les gars, qui ne terminera jamais. Non, on va le finir un jour, je l'ai promis. Je ne sais pas quand, mais on va le finir. T'as du Toy Story, t'as du Pokémon qui devrait être fini depuis bien longtemps, qui n'est toujours pas non plus. Mais bon, Pokémon, ça avance, je poste souvent des épisodes, etc. C'est pas mal. T'as quoi encore qui devrait être fini, mais qui ne l'est pas? T'as Kingdom Hearts, ouais, t'as. Oh, une petite valise. Non, mais t'es un connard! Putain, Buzz! Bon. Il y a quoi encore? Il y a Yu-Gi-Oh! Aussi, qui est comme. Qui est comme Mafia 3, hein, finalement. Qui ont commencé plus ou moins en même temps et qui sont toujours à traîner. T'as Gears of War, t'as pas mal, vraiment pas mal de trucs qui traînent. Donc là, je profite du confinement, comme on est tous à la maison à rien foutre. Et ben, j'ai pas d'excuses, tu vois. J'ai tout mon temps pour tourner, j'ai tout mon temps pour monter, tout mon temps pour m'occuper de ma chaîne. J'ai que ça à faire en soi, pour l'instant. Avant, mon excuse c'était que j'avais cours, que j'avais ci, que j'avais ça, que j'ai taffé. Là, pour l'instant, j'ai vraiment que ça à foutre. Hein. Je peux pas sortir, je peux rien faire, donc j'ai vraiment que ça à foutre. Donc là, je suis sur un rythme de minimum, gros minimum, 5 vidéos par semaine. Cette semaine, j'en ai posté 4, mais on est samedi, donc demain dimanche, je posterai la cinquième. Et voilà, on va faire ça comme ça. C'est pour ça que je dis aussi le truc des lives, parce qu'avec les lives, tu finis un jeu beaucoup plus vite qu'en postant une vidéo par semaine de 30 minutes, tu vois, grand max. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire des trucs de live, parce qu'il y a des jeux qu'on pourra faire en live. Au lieu de les faire en let's play normal, tu les fais en live. Putain, je suis en train de tomber petit à petit là, c'est pas bon ça. Ok. 4 valises, encore une. Là-bas, il y a un truc, il y a un hélico. Je me demande si on peut aussi y aller. Et je me demande surtout où est la dernière valise. Allez, on refait une dixième fois le chemin. Prends des PV, bien sûr, c'est toujours important. Donc ouais, putain, il faut que j'enlève surtout le. Sinon, ça casse les couilles, ça fait toujours un focus, c'est chiant. Ça nique un peu l'image. Tac. Donc ouais, ouais. Donc voilà, donc j'essaie de remettre un peu à jour ma chaîne. Et d'après,
quand tout sera un peu à jour, tout sera un peu plus ordonné, etc. Bah, de venir avec des nouvelles séries. Hein. Il y a le challenge Pokémon, il y a le challenge sur Pokémon Épée que j'ai envie de faire. Il y a prochainement, bientôt, donc en juin, le nouveau DLC sur Pokémon. Hein, le premier DLC sur Pokémon Épée Bouclier. Qu'on fera aussi. Il y a Pokémon Donjon Mystère que j'avais envie de faire, je n'ai toujours pas fait. Il y a plein de séries que j'ai tournées, qui sont tournées, mais que je n'ai posté encore aucun épisode. Parce qu'il y a tellement de trucs en cours sur la chaîne que j'ai pas envie de les mettre pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Ok, donc ça c'est fait, la 8, il n'y a plus rien à faire là. Coronavirus. Allez, attendez, 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 attendez. Là, est-ce que je peux monter? Je ne sais point. Oh non, merde, j'ai déconné. C'est là que j'aurais dû monter, je pense. Et je pense que c'est là qu'il y aura les trucs, hein. Je pense que c'est là qu'il y aura la dernière valise qui manque et c'est là qu'il y aura le... Ah! Ok! On y est! On y est! On y est! Où est ma valise? Donnez-moi ma putain de valise, c'est le mec. Putain, j'espère qu'elle est là cette valise de chiasse, hein. Sinon on est baisé, hein. Moi, je sais pas où elle est, hein. Valise. Ah, il faut faire le truc pour que l'avion se pose. Enfin, l'hélico se pose et que j'ai. Ça, c'est le truc aléatoire, ok. Putain, mais la valise, les mecs. Il me manquera toujours une valise dans l'histoire. Putain, moi qui croyais qu'elle devait être là. Chier, ça. Hein. C'est pas cool, hein. C'est pas sympatoche, hein. Bon. On va regarder ici qu'est-ce qu'il nous dit. Sers-toi des touches pour faire correspondre la rangée de lumière. Du bas à celle du haut, le casse-tête se réinitialisera si tu as besoin de plus de 3 essais. Si tu réussis, l'hélicoptère descendra et tu pourras. Comment ça, celle du haut avec celle du bas? Parce que j'ai pas compris. Les énigmes dans ce truc, je comprends jamais rien. Je les fais toujours au pif, sa grand-mère. Quoi? J'ai réussi du premier coup en faisant n'importe quoi, les mecs. Starkman. Bah, c'est magnifique. Au moins, on perd pas de temps sur ce bordel. Putain, mais par contre, la valise. Elle reste là, en travers de la gorge. Hein. Continue, donc il reste que la dernière valise, les mecs. Putain. Est-ce qu'il y a peut-être une zone que j'ai pas faite avec avec l'avion? Bizarre, hein. Putain. Il y a forcément une zone que j'ai pas faite avec l'avion. C'est pas possible. Ok, les mecs, je pense que. Il est pas ici, genre. Bah ouais. Mais non, mais. Mais Nalchetan! Comment je fais pour monter là? Putain, je dois refaire le truc. Ok, donc ouais, donc il est bien dans le camion, ok. C'est le premier instinct que j'ai eu, c'était là, parce que je me suis dit, bon, on n'a pas pu. J'arrive pas à rentrer là, c'est bizarre. Et puis j'ai entendu le petit bruit de la valise qui saute, je me suis dit, ok, c'est ça. Ok, donc ouais, hein, il me semble quand même que c'est le dernier épisode, les mecs. Hein. Donc ouais, donc mon objectif c'était de terminer le jeu aujourd'hui. Donc ça c'est fait. Je peux cocher ma liste de trucs à faire. Après, je pense que je vais m'attaquer à Mafia 3 Kingdom Hearts. Hein. Mafia 3 Kingdom Hearts 3. Ça aussi, ça traîne un peu beaucoup à mon goût. Mafia 3, à mon avis, aura pas mal d'épisodes encore à tourner. Hein. Parce que il me semble dans les souvenirs qu'on n'est pas non plus fin du jeu, quoi, tu vois. Allez, on attend. Là, il faut qu'on saute vraiment dans le bon moment parce qu'il faut rentrer carrément dans le camion, tu vois. Donc,
donc ça va être complicado. Yes, parfait. Magnifique. Là, on peut aller à la zone 3 et clôturer ce niveau. Parfait. Et ben, je pense que le dernier niveau, c'est pas un... C'est un boss, parce que c'est marqué affrontement final. Je pense que le dernier, c'est plus un boss qu'un niveau comme celui-là, tu vois. Parfait. Et ben voilà, le 100% les mecs, hein. 100% jusqu'à maintenant, hein. Il reste que... Non, pas continuer à jouer, merde. Il reste que... Bah, le dernier truc. Parce que tous les autres niveaux, on a les 5 jetons chaque fois. On a battu les boss qu'il faut, on a tout fait. Donc, on est vraiment bien, on est vraiment bien. Tac. Hop, on va faire un dernier check. Sauvegarde, bien entendu. Ça va faire un jeu de plus, hein. Un jeu de plus finito pour la chaîne. Une victoire de plus, une page de plus tournée. On sauvegarde. 50 jetons ramassés. Ah ouais, mec. On est trop chaud. On est trop chaud. Ah, petite scène bonus. Ah ouais, il y a pile poil qui vient avec Buzz, je pense. Non, même pas. Je pense que c'est que pile poil qui vient. Ah non, avec Buzz, ouais. Ça, c'est que pour ceux qui ont 50 jetons, vous croyez, cette scène? Bon, c'est une scène du film, hein, mais... Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais que quand j'étais petit, j'étais jamais arrivé jusque-là. Quoi. Parce que j'avais pas de carte mémoire, donc je devais chaque fois faire les mêmes trucs 10 000 fois. Affrontement final. Dernier niveau, les gars. Attendez, c'est quoi ça? Genre, c'est quoi tous ces... What? T'as Woody et trucs là-bas? Je croyais que c'est encore un niveau genre où il faut trouver des trucs. Okay. Putain, ils sont vraiment bizarres. Hein. Salut, Ranger de l'espace. Putain, y a 3 boss à tuer ici, mec. Putain, j'ai pas le... Y'a pas un truc vert ici pour m'aider? Enfin, le laser vert. Ils disent ouais, genre affrontement final. Donc ils reprennent 3 boss, les 3 derniers boss. Et ils te les mettent quoi. En fait, là c'était vraiment juste pour remplir le jeu. On se dit bon, 14 niveaux, ça fait un peu con. Ils en font un 15ème. Ça fait plus stylé. Ça fait chiffre rond. Enfin, chiffre rond. Ça fait 15 quoi. C'est toujours mieux que 14. Par contre, là, on va galérer, hein. Allez, rentre dans ton coffre à jouer, va. Là, ils m'ont vraiment mis dans la galère, en vrai. Jouer de l'espace à la noix. Putain, mais il va me défoncer. Assez. Il va me défoncer. Ils ont un PV pour les 3 ou bien chacun a sa barre de PV? Coronavirus. Putain. Putain, c'est compliqué quand même, hein. On va pas se mytho, hein. Quand ils sont solo, ils sont inoffensifs, hein, mais... Mais à 3, jeter des trucs là dans ta gueule. Là, je l'ai bien amoché. Putain, je suis mort. J'ai combien de PV là? Vie là, 3. C'est suffisant. Ah, il y en a un qui est mort. Très bien. Ouais, donc ils ont la même barre de vie pour les 3. Donc ça va. Retombe dans ton coffre à jouer. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les mêmes voix hein, que dans le film. On passe mytho. Aïe. Arrête. J'aime trop quand il dit arrête. Moi je m'en fous, hein. Je perds des PV mais j'en ai rien à foutre, je vais dans le tas. Ce jeu là, il faut pas trop réfléchir non plus en mode oh je vais pourrir.
Lui, il reste. Lui, on l'a déjà battu une fois. Pourquoi pas une deuxième? De toute façon, c'est le dernier niveau. J'ai encore 3 vies. Donc, j'ai largement de quoi le niquer sa mère. Hein. Et on y est presque, les mecs. Bim. Bim. On meurt. On a encore 2 vies. C'est pas grave. Coronavirus. Bim. Et bim. Et bim. Et ta mère, allez. Pour le 100% Toy Story 2 PS1 terminé. Boss vaincu. Et on a fait le 100% du jeu. Oh là là là, que dire de ce jeu, les gars. Oh là là, c'est le jeu de mon enfance, clairement. Hein. C'était un de mes jeux préférés dans mon enfance avec tout cela là. Crash. Crash 1, 2, 3, Spyro. C'est vraiment les jeux de mon enfance, ils sont tous là, tout est résumé ici. Ceux-là, je ne vous les fais pas en PS1 parce que je les ai sur Xbox One et j'ai commencé des... Voilà, bon, je ne devais pas le dire, mais j'ai commencé un let's play sur Crash 1 et je ferai Crash 2, 3 aussi. Bon, Spyro 1, je l'ai déjà fini. Il faut que je m'attaque aux 2 maintenant sur la chaîne. Sur Xbox One aussi, hein, pas sur PS1. Bon, ouais, s'ils sont sortis sur Xbox One ou PS4 et tout ça, pourquoi je vais les faire sur PS1? En sachant que sur Xbox One, c'est mieux, c'est remasterisé, etc. Petite bande-annonce bonus pour terminer. Clôturer ce let's play, ce court let's play quand même, qui a quand même duré longtemps sur la chaîne. Je vais apprendre le sens du mot récréation. Je vous le confie, les gars. Non. Ah, il va se faire maquiller, tout ça, je me rappelle. Et voilà. Partie gagnée. Jeu finito. Oh, t'as encore un. Ah ouais, ça c'est les derniers moments du film. C'est quand Andy, il a des nouveaux jouets et tout ça. Mademoiselle, je tiens à vous dire que vous êtes charmante et de plus une inefficière, une fine équipière. C'est fou. Je dois partir. Et toi, t'es le joli cœur le plus cosmique de toute ma galaxie. Ça veut dire quoi, Wawa? Hé, les copains, le chien a dit qu'il a besoin de sortir pour aller au Wawa. Vas-y, alors est-ce que ça? Ah, elle va faire tout un truc, elle va ouvrir la porte. Genre, en mode, j'ai bandé. Tu vois. Ah là 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 là, les gars, quelle queue de nostalgie. Voilà, le générique de fin. Il est là, tu as terminé Toy Story 2. C'est avec ça, hein, les gars. C'est avec ça que j'ai découvert les consoles de salon. Bon, comme je l'ai déjà dit, je pense que le premier jeu vidéo que j'ai joué de ma vie, c'était les. Enfin, je compte même pas ça comme des jeux vidéo. C'était les petites consoles que t'as qui sont même pas des consoles où t'as qu'un jeu dedans. Et c'est le truc Tetris ou bien le truc du serpent, etc. Mais le seul vrai jeu que j'ai joué de ma vie, le premier, c'était Pokémon sur la Game Boy. La toute première Game Boy que Nintendo a lancée. Game Boy portable avec les grosses piles derrière, bazar, les boutons mauves. La Game Boy grise. Et ensuite, j'ai découvert les consoles de salon avec Nintendo. Et les toutes premières Nintendo. Hein, Nintendo, les NES, la Super Nintendo avec Mario, tout ça. Et puis la PlayStation, j'ai découvert les vrais jeux. Parce que Nintendo, pour moi, c'était pas encore des vrais jeux. C'était cartouche, c'était bazar, tout ça. Puis là, j'ai découvert les vrais jeux. Pour moi, c'est là que j'ai commencé à kiffer de dingue les jeux vidéo. Je kiffais déjà avant, mais c'est avec la fameuse Play 1. Hein. Voilà, là, il y a plein de souvenirs là. Et je me rappelle, Toy Story 2, c'était un jeu que je kiffais. Et j'avais pas de carte mémoire, les mecs. J'avais pas de carte mémoire, je refaisais les mêmes niveaux tous les jours. Je refaisais les mêmes. Tac, tac, tac. J'arrivais maximum jusqu'au 5e niveau, je pense. Puis ma mère, elle me disait coupe parce que ça fait déjà trop longtemps que je jouais. Mais j'avais pas le temps d'aller plus loin parce que j'avais pas de carte mémoire. Donc le lendemain, je refaisais les 5 premiers niveaux. Et pour moi, le jeu, il s'arrêtait que là en fait. Il y a, je pense, un seul jour où c'était genre Noël ou un truc comme ça qu'on a pu jouer vraiment toute la journée. Et là, j'étais arrivé au niveau genre 10 ou un truc comme ça, mais jamais plus loin. Et puis, je sais pas combien d'années plus tard, j'ai pu rejouer au jeu et le finir comme et finir à 100% comme j'aurais voulu faire à l'époque, hein, mais j'ai pas pu. En tout cas, voilà, très bon jeu pour un jeu de PS1. Franchement, en plus, ils remettent des scènes du film dans le jeu pour un jeu qui est sorti il y a 20 ans, hein, et clairement, il y a 20 ans, les gars, que le jeu il est sorti, je pense. Je pense qu'il est sorti en 2000 ou 99, un truc comme ça, enfin 99. En tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi le let's play. Je sais qu'il y en a beaucoup
qui kiffent Toy Story 2, enfin qui ont regardé Toy Story 3 sur la chaîne, qui ont regardé Toy Story, qui regardaient Toy Story 2 aussi, parce que j'ai posté les 5 premiers épisodes l'un à la suite de l'autre, et puis j'ai fait une grosse pause jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est du Lucas Certé, tout craché. Hein, commencer les trucs et ne pas les terminer, cet enfoiré. Non, je rigole. Allez, en tout cas, merci à tous les gars. Nouveau let's play qui se termine sur la chaîne, court let's play, mais qui a mis du temps sur la chaîne. J'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé aussi. Très bon jeu de PS1, je le conseille à ceux qui veulent se remémorer. Pour ceux qui demandent, parce que j'en ai plein qui ont demandé dans les commentaires dans les premiers épisodes, comment t'as fait? Ben simplement, j'ai une PS3, j'ai une PS3 ultra slim là, parce qu'il y a la grosse PS3, la fat, puis t'as la slim, puis t'as la ultra slim. J'ai la ultra slim. Sur la ultra slim, vous allez sur votre PlayStation Store, vous mettez de l'argent dedans, donc un porte-monnaie PlayStation, hein, et avec l'argent, donc je sais pas, 20€ ou quoi, ou 10€ si vous trouvez. Et le jeu coûte 5€, je pense, sur le PlayStation Store de la PlayStation 3, pas de la PlayStation 4, parce qu'il n'existe pas. Ou bien vous attendez la PS5, parce qu'apparemment dans la PS5, tous les jeux seront rétro-compatibles. PS1, PS2, PS3, PS4. Donc si vous l'avez sur PS1 en physique, c'est encore mieux. Mais je pense que en PS1, si vous l'avez en PS1 en physique, il marche aussi sur la PS3. En tout cas, moi je l'ai acheté sur le PlayStation Store. Voilà, 5 balles si vous voulez. Vous pouvez le trouver facilement. Il s'installe en 2 secondes, vu que c'est le jeu, il fait 500 mégas ou un truc comme ça. Donc voilà. Merci à tous les gars, c'est Lucas Certé. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à vous abonner et à mettre un j'aime. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux let's play. Et pourquoi pas pour un nouveau Toy Story s'ils sortent un nouveau jeu. Le 1, je le ferai pas parce que c'est un jeu tellement ancien que. Voilà. Peut-être un jour, pourquoi pas. Mais là pour l'instant, c'est vraiment pas dans mes plans. Et pourquoi pas s'ils sortent un jeu Toy Story 4, pourquoi pas. Vu que le film est sorti, il se peut que. Voilà, en tout cas, merci à tous. On se retrouve très bientôt. Ciao.